Son Excellence Madame Siriwal, ambassadrice de Suisse, avec votre mari et votre fils, cher Monsieur le Consul Jacques Baudouin et Madame Fiona Krauer, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'honneur me parvient de vous souhaiter la cordiale bienvenue pour la conférence de cet après-midi. Moi, je m'appelle Yolanda Knecht, je suis de la nationalité suisse. Depuis 6 ans, je travaille à Kinshasa comme missionnaire laïque avec et pour les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Je suis la directrice de leur maison d'accueil, le lieu où nous nous trouvons actuellement pour cet événement. J'ai vraiment la grande joie, chère Madame l'ambassadrice, que vous ayez accepté spontanément que l'ambassade organise cette conférence sur le projet Minzo au sein de mon lieu de service. Distingués participants, dans quelques instants, nous décollons pour un voyage dans un autre monde. Un monde merveilleux que j'ai pu découvrir ensemble avec l'ambassadrice
il y a 3 semaines. Attachez maintenant vos ceintures de curiosité, mais tracez d'abord votre attention à son excellence pour le mot d'ouverture. Merci. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue aussi aux côtés de l'ambassade suisse. Je remercie d'abord Yolanda Knecht de l'accueil ici et aussi de l'organisation de cet événement et pour la belle introduction musicale. C'était une très belle surprise. Quand on a parlé la première fois de ce projet, je dois avouer que j'étais un peu curieuse aussi, oui, et je ne pouvais pas vraiment m'imaginer de quoi il s'agit. Alors quand les deux messieurs, nos présentateurs, m'ont invité à visiter le projet, on a accepté et comme Yolanda a dit il y a quelques semaines, on était à Kiloeka pour visiter le projet. Et c'était vraiment très impressionnant, le projet est bien avancé et oui, on a compris si on arrive vraiment à domestiquer ces genies comestibles, ça serait une très bonne chose pour la nutrition, parce qu'on sait tous que la malnutrition est un grand problème ici. Alors, je crois que c'est vraiment un projet très, très prometteur. Je me réjouis beaucoup de la présentation de cet après-midi. Voilà, et je vous remercie vraiment de votre présence si nombreuse, qui montre aussi votre intérêt. Alors, sans tarder, j'aimerais donner la parole à nos deux présentateurs. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de vous présenter maintenant les pilotes de notre voyage. En premier lieu, Monsieur Augustin Konda, un ami de longue date. Je suis vraiment très contente. Il est biologiste et chercheur en médecine, ethnomédecine et plantes médicinales et beaucoup d'autres choses. Il va vous amener dans son village natal. Alors, comme pilote, il connaît très bien là où nous partons, alors nous pouvons vraiment nous confier à lui. En second lieu, c'est Monsieur Daniel Ambiel, de nationalité suisse aussi, qui est présent. Il est entomologiste, je pense aussi philosophe en quelque sorte, depuis que je l'ai connu, je pense. Et il est surtout expert dans ce projet qu'ils vont vous présenter. Je suis très contente, Monsieur Daniel, que vous êtes ici avec nous. Chers conférenciers, merci d'avance de nous guider maintenant dans cette aventure spéciale qui commence tout de suite là. Et je vous souhaite à vous tous un bon voyage. Merci beaucoup. Nous sommes dans notre projet Binto qu'on a commencé en 2016 et vite on a compris que la population avait un grand intérêt pour notre projet. De gauche à droite, les hommes, les enfants, les femmes apportent des échantillons de chenilles dans notre lieu de travail à Kiloeka. Ça, c'est une maman qui vient de loin avec deux petits tabacs, c'est des lobos Bounéa, c'est 12 ans. Voilà cette belle chenille qui fait quand même un grand morceau dans notre alimentation. Chez nous, je parle comme un villageois parce que je suis né et grandi au Bakomo, au village, à Kiloeka. Si on prépare à la maison des chenilles, tout le monde est très heureux.
c'est le meilleur repas qu'on peut avoir. Voilà, ça, dans nos foyers, si on a une chance aujourd'hui qu'on a préparé ça, alors on dit, aujourd'hui, nous allons bien manger à la maison. Et ça fait partie de nos repas les plus courants. Chez nous, on peut manger du 1er au 30, c'est sans problème. On est à l'aise. C'est vraiment une bonne nourriture et tout le monde sait, c'est riche en vitamines, en protéines et en minéraux. Ce qu'on a besoin pour notre alimentation est dans ces petits insectes. Mais si on regarde aujourd'hui dans mon milieu d'origine, à Kilweka, Ngeba, là, il n'y a plus de forêt. Mais au moins, vous voyez, ces petits enfants, ils sont en train de creuser les grillons. Donc nous mangeons aussi plusieurs autres insectes, mais qui deviennent de plus en plus rares parce que nous avons un environnement complètement abîmé. Vous voyez ce qu'ils ont dans l'assiette. Ici, dans cette brousse, moi-même en tant qu'enfant, je suis allé là-bas pour prendre des grillons. À l'époque, 1967, j'étais au village. Dans cette brousse, quand on y va, on rentre au moins avec un demi-seau de grillons. Et tout le monde peut manger à la maison. Mais vous voyez, aujourd'hui, ils ont travaillé toute une journée, ils n'ont même pas assez pour eux-mêmes. Or, en famille, chez nous, on est nombreux. 10, 12, 14 personnes. C'est vraiment insuffisant aujourd'hui. Et si je vous montre mon paysage, vous voyez, là, à l'époque, je peux voir 5 ou 6 forêts à l'horizon. Mais aujourd'hui, c'est la brousse éternelle. Plus de forêts. Et voilà cet endroit. Je me souviens à mon enfance, j'ai fait cette photo exprès. Je revois ici mon paysage. Vous voyez, rien que la brousse avec des petits arbustes. Plus de forêts là-bas. Et une des grandes raisons, c'est la déforestation. Il y a plusieurs raisons, mais au Bas-Congo, le plus grand problème, c'est la production de charbon de bois pour la ville de Kinshasa, où chaque jour, on n'a pas assez de courant, alors on s'est rabattu au bois de chauffe et au charbon. Et Bas-Congo, c'est les voisins, alors on a puisé tous les bois là-bas pour vous ici à Kinshasa. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Si vous êtes au Bas-Congo, c'est des camions qui viennent vers nous ici à Kinshasa. Ils ramènent toujours les derniers arbres. Même les manguiers, on a coupé, sapotiers, on a coupé. Maintenant, il reste plus rien. Aujourd'hui, j'ai vu, on récolte les petits arbustes en sabbat pour faire du bois de chauffe ou charbon. Et malgré tout, aujourd'hui, il y a encore un peu de chenilles au village. Au marché ici à Linfou, on vend des chenilles venues de Maïndombe, venues de l'Équateur. Et pourtant, il y en avait assez à l'époque, on ne pouvait même pas importer. Ça, c'est une belle chenille qui a aussi existé à mon enfance. Nous trouvions ça en grande quantité. Ça, c'est le Sirina Forda. Cette chenille est séchée, ça change un peu de couleur, mais c'est une chenille qui était chez nous à l'enfance. On pouvait trouver en brousse. Mais cette chenille, depuis plus de 40 ans, ça n'existe plus. Voilà notre belle Sirina Forda qu'on a aimé à l'enfance, mais maintenant on doit importer des bandundus parce que là, ça existe encore jusqu'au jour. Et alors, notre premier but, on s'est dit, nous allons ramener ma première chenille de l'enfance dans notre région. Alors, nous avons voyagé ici, c'est rivière Wamba, et j'ai traversé Wamba pour aller à Chakalambewa, un petit village au Bandundu, pour prendre les œufs des Sirina
forme. Oui, allez-y. Voilà, c'est le zèle de Sirina Forda, cette chenille qu'on vous a montrée. Au Bandundu, cette chenille évolue sur Erythrophleum africanum. Mais au Bas-Congo, cette chenille évoluait sur Crossopteris febrifuga. C'est deux plantes tout à fait très différentes. Alors, nous avons dit qu'on va essayer d'introduire cette chenille parce que nous avons fait plusieurs expériences pour voir cette chenille prise au Bandundu si elle pouvait manger quelle autre plante au Bas-Congo. Parce qu'au Bas-Congo, il n'y a pas Erythrophleum africanum. À l'époque, cette chenille a mangé Crossopteris febrifuga, mais dès qu'on a transféré, elle a refusé. Il y a eu éclosion, mais elle ne voulait pas manger. Et on a perdu beaucoup de larves. Mais enfin, on a essayé plusieurs plantes et on a trouvé une plante que cette chenille acceptait. C'est le bouquet africain. Voilà. Voilà ici, nous avons transféré Erythrophleum africanum, pardon, les œufs de Sirina Forda pris sur Erythrophleum africanum, nous avons transféré au Bas-Congo sur Burkea africana. Et cette chenille a bel et bien accepté cette plante et elle a évolué avec joie jusqu'à la fin. Oui. Voilà comment les enfants sont venus de gauche-droite, les papas, les mamans, tout le monde est venu dans ces brousses à Burkea africana pour voir cette chenille qu'ils achètent, allez-vous, mais qu'ils n'ont plus jamais vu vivant. Et ça, c'est le Burkea, pardon, les Sirina Forda, peut-être des deuxième stade après éclosion. Et vous voyez, cette chenille, elle a évolué sur Burkea jusqu'à devenir des grandes chenilles qu'on vend ici à Kinshasa avec ces femmes qui les vendent à gauche à droite. C'est les Sirina Forda Bengala ou c'est lui Kwati. C'est très populaire ici. Alors, on a compris vite que pour que nous ramenions des chenilles au Bas-Congo, le premier problème était les reboisements. Alors, il fallait reboiser. Il fallait planter des plantes à chenilles dans les villages parce qu'il n'y en avait plus. Alors, s'il n'y a pas de plantes à chenilles, il n'y a pas de chenilles. Alors, premier pas, on a travaillé avec les écoles primaires. Et dans 5 écoles primaires, on a fait des pépinières scolaires et nous avons obtenu des plantes de plusieurs plantes à chenilles qu'on a transférées dans les villages pour être plantées. Vous voyez comment les enfants sont si joyeux. Ils disent bientôt nous allons bien manger. Les chenilles vont revenir dans nos villages. Et on parle toujours, alors voilà ici un ami, Paul Latane, qui nous a précédé dans ce travail. Il a inventorié les chenilles comestibles du Bas-Congo et il a dit « Je dois arriver là où vous travaillez, je ne veux plus entendre par email, mais je veux voir ce qu'on fait. Oui. » Voilà, c'est le livre que Paul a écrit quand il a travaillé au Bas-Congo, 1990 environ, pour là, il a travaillé et il a écrit ses livres, chenilles et plantes, nourriture au Bas-Congo. C'est la base de notre travail. Paul, c'est notre précurseur dans ce travail. Alors, on a dit, nous devons reboiser les villages avec les plantes élevées par nos propres enfants dans leurs écoles. Et on a acheminé ces plantes de village en village et chaque famille a planté ses arbres à chenilles autour de sa maison. Voilà, une maman reçoit plusieurs plantes, elle va planter autour de la maison. Au village, il y a beaucoup de la place derrière les maisons. Il n'y a pas de parcelles de 20 mètres sur 20. Et vous regardez ici, maintenant, on est surpris. On a vu réapparaître un chenille sur un arbre. On regarde. Ah, il y a déjà un retour. Et voilà,
dans certaines plantes où on a transféré des chenilles de Imbrasia et Pimentea en Vindou, il y a eu déjà les premières réapparitions. On a dit nous sommes dans la bonne voie avec notre reboisement. Et vous voyez, on a placé, transféré 30 chenilles, mais à la réapparition, à la saison prochaine, on a peut-être plus de 1000. On a semé 1, on récolte 30. Alors maintenant, on s'est investi dans cette approche. On a dit, s'il n'y a pas de plantes à chenilles, il n'y aura pas de chenilles. Alors, nous avons commencé un projet de créer plusieurs nkunku dans les villages. On a prospecté et on veut avoir des nkunku dans 50 villages au Bas-Congo. Et on a formé notre population, chef de village, pour qu'ils sachent gérer un nkunku convenablement. Et les nkunku sont enregistrés aux affaires foncières et tout pour qu'il y ait une sécurité. Et voilà, notre agronome Odon va de village en village parce qu'au Bas-Congo, vous ne pouvez pas créer une forêt sur une terre qui ne vous appartient pas. Ne peut créer une forêt qu'en ayant droit. Alors, Odon doit aller dans les villages, il est agronome qui va dans les villages pour parler aux ayants droit. Vous voyez, première lignée, deuxième lignée, troisième lignée. Tous les clans se mettent ensemble pour dire oui, nous voulons notre projet Nkunku maintenant. Ici, et comme ça, nous travaillons ensemble avec ces clans. Et aujourd'hui, on a déjà identifié près de 27 villages qui ont une place pour un Nkunku et on poursuit cette prospection. Vous voyez, maintenant, il montre où nous voulons avoir un Nkunku. Alors on dit toujours, à l'époque, c'est ici où il y avait notre Nkunku que les grands-pères avaient créé. Alors nous voulons que le Nkunku revienne à cet endroit. Et maintenant, on a dit, mais si vous voulez avoir un Nkunku, mais vous devez replanter tous les arbres qui étaient en forêt. Alors on dit, mais on ne sait même pas planter certains arbres sauvages. Maintenant, ils viennent à la formation. Les chefs des terres et villages, ils apprennent comment planter les plantes autochtones. On a toujours des livres pour plantes agronomiques, manioc, tout, il n'y a pas de problème, mais un vendu, autre plante, vous devez apprendre, ça pousse par graines, par boutique, ça, quelqu'un doit vous apprendre ça, il vient à la formation. Et je vous donne, alors on dit, mais un Nkunku, mais ça dit 4 ans, 5 ans, 7 ans pour avoir une forêt. Un Nkunku, en fait, c'est un espace en brousse qu'on protège contre l'effet des brousses. Ça ne brûle pas pendant 5 à 7 ans et cet endroit va se transformer en forêt. Alors ici, nous avons dit, vous n'allez pas attendre aussi long. On a expérimenté un Nkunku qu'on a commencé en mars 2017 et en mars 2019, voilà un résultat. Ça c'est 60 mètres, c'est 30 mètres en brousse. On a reboisé avec cette plante qui pousse très vite, acacia. Ça va très vite. En 2 ans, on a déjà une forêt. On ne va pas dire que ça c'est une brousse. Impossible, c'est déjà une forêt. Alors, nous sommes préoccupés comment faire revenir les populations autochtones des chenilles qui ont existé chez nous. Alors, on a expérimenté une méthode de transférer des larves. On prend des larves dans des villages éloignés parce que chez nous, c'est devenu rare. Et on amène et on transfère sur les mêmes arbres. Et voilà, on prend une grappe, 30 ou 50 chenilles et on transfère sur les mêmes arbres et à la saison prochaine, ils réapparaissent sur les mêmes arbres et sur plusieurs autres arbres voisins de la même espèce. Ça c'est Imbrasia epimentea, c'est une chenille qui exige seulement sa plante à elle.
Si tu mets ça sur une autre plante, à Imbrasia, ça va refuser. Alors, on doit respecter. Vous voyez, une année après, alors mon ami Simba, il nous a invités. Venez voir, ils ont réapparu sur l'arbre où on avait placé des Imbrasia épimentea en novembre 2017 et en novembre, en janvier 2018, on a retrouvé les chenilles, sont revenues. Et vous voyez cette belle chenille, comment elle se développe. Ici, on le voit en marché, déjà séché, on ne sait plus voir ce que ça a été avant. Alors, dans certains villages où ce programme de transfert des arbres, sur des arbres autour des villages a bien marché, maintenant, les comités chenilles qu'on a dans plusieurs villages, ils ont surveillé et à la fin, on a récolté et on a un seau qu'on va partager à tout le monde au village. Alors, nous sommes maintenant au 21e siècle, on ne peut plus attendre des produits qu'on va récolter dans la nature. Nous sommes devenus une population très importante, nous sommes des milliards, alors il faut trouver d'autres voies. On replace les populations sauvages, mais aussi nous ouvrons la voie vers la domestication. Alors nous commençons par inventorier les chenilles qu'il y a dans nos villages et nous évaluons quelles sont les espèces qu'on peut domestiquer. Il y a certaines chenilles qu'on ne saura jamais domestiquer. Et nous avons fixé des critères pour cette sélection que les chenilles soient durables et qu'il n'y ait pas une concurrence avec de la nourriture humaine. Si cette chenille mange une plante nourriture pour l'homme, on doit éviter. Et notre projet est pour 3 ans et tout ça doit se faire rapidement avec le financement de nos amis de Armédissac. Alors, dans cet inventaire, nous commençons à voir quelles chenilles existent encore dans nos villages. Par exemple, ici, c'est Imbrasia obscura. C'est une chenille qui est maintenant en petite colonie, à gauche, à droite. Et on peut aller vite. Oui. Ça, c'est les Msamula. C'est une chenille très, très célèbre parce qu'elle mange tout. On dit, cette chenille, quand elle tombe dans une forêt, elle mange tout. Les Msamula, c'est la chenille qui ne choisit pas de plantes, mange tout. Et ça, c'est le lobo Bouillea Fedusa. C'est la plus grosse chenille qui existe dans notre province. Elle peut peser déjà plus de 20 grammes, une chenille en maturité. Donc, c'est une chenille très potentielle. Oui. Ça, c'est aussi une autre chenille, mais au village, on dit que c'est toujours la même chenille. Mais quand on regarde ça, c'est pseudo Bouillea palens. C'est une autre espèce, mais au village, on confond tout, on appelle ça avec un seul nom. C'est plusieurs espèces. Ah, ça, c'est le bisou que vous avez vu au début. On vous a montré le bisou qui mangeait. Voilà, c'est le bisou. Le Imbrasia petivieri. Et maintenant, on dit, mais finalement, nous devons inventorier les chenilles qui existent chez nous pour savoir comment travailler. Alors, ça, maintenant, nous allons inviter mon ami, M. Daniel. Lui qui aime bien les dancing, il va nous accompagner dans les dancing des papillons à la nuit. Merci. Moi, je suis venu apporter la discothèque pour les papillons. C'est une vieille lumière qu'on voit ici, discothèque, parce que ça attire les jeunes mâles des grands papillons de nuit qui sont en recherche de femelles pour les coupler et pour que les femmes peuvent prendre des... S'il vous plaît, oui. On voit que ça consiste des petites lampes avec des fréquences
du lumière et son spectrum ultraviolet. Ça attire les mâles qui sont en recherche de femelles. Et les mâles entourent toujours vers le matin, 3 à 5 heures, parce que c'est là le temps où les températures tombent et l'humidité monte. Ça, c'est le fonctionnement des antennes. Les mâles fonctionnent beaucoup mieux avec une grande humidité que les chèvres. Ils voyagent le matin et tout. Ce qu'on fait avec le piège lumière, ce sont 3 choses. Première chose, on va voir quelles espèces sont là, quelles espèces ont survécu dans des niches des habitats locaux. De cette espèce, on reconnu aussi quelquefois les chenilles qu'on mange et qu'on aime. Et pour nous, c'est une très importante information de savoir quelle espèce on n'a pas perdue. Parce qu'une gala, c'est une photo comme on a perdu. Et en quelquefois, on pense aussi autres espèces sont devenues rares. Mais on a vu, ça c'est Aurelius triramis, une très belle papillon de nuit aussi. On a vu qu'il y a beaucoup de papillons dans ces trous des satellites qui ont survécu. À peu près 40 différentes espèces on a trouvées jusqu'aujourd'hui. Oui. Aussi cette très belle athlète Skika, c'est vraiment un miracle ce qu'on voit au piège lumière. Et je me souviens le premier nuit que j'ai allumé le piège lumière au final, était comme un petit enfant. Là. Oui, il a crié ce choix parce qu'il a vu le premier fois les papillons. Ça, on ne voit jamais parce qu'on n'est pas dehors 3 heures le matin. Oui. Ça, c'est l'opopunea saturnus. Ça, c'est une espèce très proche de la chenille Kaba, mais c'est une autre espèce. Et c'est quelquefois très difficile de juger, d'identifier les espèces. Mais nous avons 2 grands personnalités taxonomiques qui nous aident à faire ça. C'est Thierry Bouyer en Belge et c'est François Malès, le grand biologue qui était aussi pendant 20 ans au Katanga à l'université de Lubumbashi. Oui. Et puis Bora aussi. Cette image montre aussi un peu le problème de la conservation. Ici, il n'y a pas tellement les pompiers, les insectes, mais aussi les fourmis qui n'en est pas assez vite avec la préparation. Les préparations mangées immédiatement des fourmis. Et c'est important qu'on fait la documentation avec des belles photos. Parce que dans les conditions là, à Kiloeka, c'est difficile de garder des bons exemplaires si on n'a pas de bonnes technologies pour les conserver. Oui, ça c'est une brasia rectilignata. Et une autre espèce qu'on connaît, les chenilles, qui sont comestibles, mais pour les gens là, oui, on n'a jamais vu la richesse du vide nocturne au piège lumière. Et comme j'ai dit, ce sont en plusieurs. La plupart, ils sont des mâles qui voyagent pendant la nuit. Les femelles, plus ou moins, ils attendent et ils émettent les phéromones, un parfum qui est enregistré avec les antennes des mâles. Et les mâles voyagent et cherchent les femelles. On a vu aussi pendant la pluie. Comme si l'autre était là, il a beaucoup plu le matin, 3 heures. Oui, mais ils sont en voyage. Ils volent, ce n'est pas un problème pour les papillons. Ils peuvent avoir pendant le temps. Premier fois, 3-4 fois, on a collecté les papillons et on a les montré dans des villages, de la village de Kiloeka ici. Et on était étonnés parce qu'on n'a jamais vu
la richesse de cette vie nocturne au siège lumière. Et aussi, traditionnellement, on a pensé que les oiseaux apportent des chenilles. Oui, parce qu'on n'a pas vu le cycle de vie des chenilles complètes avec la transformation en chenille, en chrysalide, ça se passe dans la terre. Après aussi, l'émergence des adultes, ça, on ne voit pas, c'est pendant la nuit. Hein. Et on a pensé que les chenilles se transforment des œufs. Ça, c'est quelque chose de très important que j'ai pourquoi j'ai écrit le DAF. Il y a deux semaines. La première fois qu'on a vu une papillon de Sirina forta, de cette chenille qu'on a pensé, il a complètement disparu. Mais c'est un peu mal, après 40 ans, peut-être la première fois qu'on a vu une Sirina forta là, mais peut-être ça vient de notre expériment dans le laboratoire, parce que peut-être un ou deux chenilles sont allés se transformer dans la terre et on a les oubliés. Et alors ils sont revenus et cette mâle a cherché une femelle à notre piège lumière. Ça c'est le laboratoire avec Moïse, qui fait une formation pour les enfants. Un des grands choses que les gens ne connaissent pas l'élevage des chenilles. Quelquefois chez nous à l'école en Europe, on apprend d'élever les chenilles, on les prend de dehors, on les met dans un petit terrarium, mais ça on n'a jamais fait là. Et il faut apprendre le système d'élevage pour les jeunes, parce que c'est la base après pour la vie. Ça commence avec les œufs. Ici, c'est Deutsche Gunea Paulens. C'est presque un millimètre. C'est un très, 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 très fragile. Là, ce sont les stades qui sont difficiles à écarter parce qu'ils sont très fragiles et si l'humidité n'est pas bonne, si la nourriture n'est pas bonne, on a des grands mortels. Mais le résultat est aussi bon qu'il y en a une chrysalide de Gaba, c'est plus que 10 grammes. C'est un très grand insecte comparé avec les autres insectes comestibles. C'est vraiment une élément. Ou les chenilles, ça c'est un photo de Augustin, c'est une chenille qu'on a trouvée à Patia Manchu, 26 grammes. Une seule chenille, c'est un peu plus saucisson. Hein? Un des problèmes, c'est l'accouplage des pères, parce que pour l'accouplage, il faut que les phéromones des femelles fonctionnent dans l'air et que les mâles peuvent s'approcher pour s'accoupler. Et dans les conditions du laboratoire, ça fonctionne quelquefois pas bien parce que les conditions sont trop sèches dans le laboratoire. On n'a pas de vent qui transporte les phéromones et pour ça on a construit des cages qui sont au dehors et on y met les femelles pour attirer les mâles de la nature. Et en l'autre image, on voit une grande femelle de Kaba avec un grand ventre plein de ça. C'était plus que 700 œufs dedans, cette femelle. Ça c'est bien pour attirer les mâles et ça fonctionne très bien. Nous étions étonnés aussi un peu que c'est très facile de faire l'accouplage avec des animaux qui sont émergés dans le laboratoire. Ici on voit les œufs que ces femelles ont pondus et on les garde dans le laboratoire. Oui, ça c'est un des grands caches avec des femelles de Imbrasia Nudaveria Dione, c'est le bisou. Ouais. Et on voit ici, ce sont les mâles qui s'approchent ici de la nature pour s'accoupler avec les femelles. Ici, on voit que le mèche est assez grand pour que les femelles et les mâles peuvent s'accoupler. Et
Un des avantages de voyager, j'ai oublié de dire, c'est que si on voit un papillon de nuit, on sait que aussi la chenille est là. Parce qu'ils vivent seulement 3-4 jours, les papillons de nuit de cette troupe, ça tournit, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont seulement là pour l'amour, la couplage et la fonte des ailes, et après ils meurent. Ça dure tellement 3-4 jours, c'est-à-dire si on voit une papillon, on sait que les chenilles sont là aussi. Oui, on a construit aussi des maisons. On parlait des chenilles dans la ligne pour expérimenter un peu avec un élevage demi au dehors. Oui, et naturellement, le moment où on a construit ce laboratoire, on a commencé à parler dans les villages, on a parlé de cette plant fou qui collecte des insectes là-bas dans la nuit pour piège lumière. Mais spécialement les enfants, ils étaient toujours très intéressés, ils ont apporté pas seulement des chenilles, mais aussi des cabas, grands cabas, femelles, vivants, des satellites de ce village, Kinoeka, qui a trouvé cette femelle près de la maison qu'on voit ici, et nous avons cette femelle dans le labo et il a pondu plus de 200 œufs. Et ça, le petit monsieur qui arrive le matin, il a trouvé une grande chrysalide et il nous donne la chrysalide, on le sait presque jamais, on sait l'espèce avec seulement voir la chrysalide, il faut la garder dans le laboratoire pour voir quelle espèce à la fin ça donne. Oui, aussi on a un peu l'idée de la préciosité de cet insecte pour les gens, parce qu'on garde seulement des choses très précieuses comme ça dans la main. Il a apporté ça de très loin dans les champs de Moni. Oui, et originalement moi je suis pédagogue, étudié didactique à l'Université de Zurich, et moi j'ai pensé qu'il faut apporter quelque chose pour la motivation des gens, qu'on comprend que l'élevage des chenilles, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Alors j'ai apporté une insecte de l'Inde 2017, et Augustin va parler un peu de cette histoire, parce qu'on a déjà eu beaucoup de l'expérience avec cette insecte. Merci Daniel. Je crois que nous sommes arrivés à un chapitre important, la domestication. Et mon ami a amené en 2017, en novembre, cette chenille venue de la Suisse. Il a pris en Thaïlande et il a amené 80 chrysalides que nous avons élevées. Comme c'est une chenille qui a un cycle très court, son cycle n'est que de 2 mois. Et aujourd'hui, depuis qu'il a amené en novembre 2017, aujourd'hui nous sommes à la 10e génération. Nous avons gardé cette chenille et aujourd'hui nous l'avons maîtrisée et nous sommes au stade de faire une production à grande échelle, comme on peut le voir maintenant. Voilà. Si on ouvre les chrysalides, on ouvre à soi et au milieu il y a les chrysalides. C'est comme ça se forme. Il y a d'abord une chenille qui va se transformer et on ouvre, on voit une chrysalide. Et ici à Kilweka, dans notre laboratoire, aujourd'hui vous pouvez voir des milliers de Saligata. Cette chenille a déjà un nom local. Son nom c'est Samia Ricini, mais c'est trop compliqué pour un villageois, alors on a dit un Saligata. C'est la chenille Rata, c'est le village. Nsani, c'est Samia. Alors, il existe au Bas-Congo une chenille qu'on appelle Nsani. Alors, eux, ils ont entendu Samia. Ah, c'est trop compliqué, Nsani. Comme on élève au village, village égale Rata. Alors, on a baptisé Nsani Rata.
Et aujourd'hui, nous sommes à la 10e génération. Et vous voyez, ici, on a produit 30 000 chenilles dans cette génération. Et ils mangent les feuilles de manioc et ils mangent aussi les ricins. C'est des plantes que nous plantons maintenant en grande quantité. On doit avoir maintenant 2,5 hectares de manioc. Alors ça, c'est le manioc, ils mangent tout manioc. Mais nous, nous avons privilégié prendre les manioc glaciovie, les pondois caoutchouc, comme on appelle en lingala. Parce que là, ça donne beaucoup de feuillage et des ricins. C'est les deux plantes et maintenant, nous pouvons récolter dans notre labo toutes ces chenilles. Au bout, ils mangent grandement pendant des semaines. Au début, ils ne mangent presque pas, ils sont aussi petits, L1, L2, L3, mais s'ils entrent vers la fin, L4, L5, alors ils mangent à mort, nuit et jour, ça mange éternel, il faut beaucoup de plantes nourriture, il faut des champs. Et maintenant, ils sont prêts pour être à la consommation. Okay. Maintenant, nous avons dit, mais c'est une chenille qui ne peut pas se garder très longtemps. Elle est vivante. Si on laisse, elle se transforme en chrysalide. Bon, nous pouvons encore manger les chrysalides. Nous pouvons aussi manger les chenilles. Mais ici, les gens sont habitués à la forme larve. Alors, nous avons dit, on peut trouver un système pour la conservation. Et Daniel a amené un fumoir ou quoi, je ne sais pas bien exactement français, mais c'est une machine pour fumer. Et nous pouvons fumer des grandes quantités. Motomoko, comme on dit en lingala, le motomoko, c'est fumer légèrement pendant 30 minutes, mais on peut aussi fumer pendant une heure pour que ça se garde un peu plus long. Mais ça ne se gardera pas très longtemps, bien sûr. Nous sommes en train de monter un séchoir pour que ça soit bien sec et ça pourra se garder très longtemps. Voilà, maintenant, on a aussi du matériel. Ça, c'est une machine emballée sous vide. Comme ça, nous pouvons emballer nos chenilles sous vide pour qu'elles se gardent encore plus longtemps. Voilà, notre projet a beaucoup de potentialités parce que ce qui est chenille, c'est vraiment la vie d'un Africain. Le projet fait partie de notre identité. C'est ça que nous mangeons depuis notre enfance et qu'on va continuer à manger. C'est un aliment très riche, très sain et les femmes et les enfants ont des grands besoins en protéines, en vitamines, en minéraux et tout ça, on trouve dans nos chenilles. C'est pour cela que c'est un projet pour nous qui a un avenir et c'est un projet avant-garde parce que nous souffrons beaucoup parce que ce n'est pas un champ qui est préparé. C'est un nouveau champ où on cherche chaque fois comment avancer avec tous les amis qui nous aident, botanistes, entomologistes et tout pour identifier. Et ça peut aider aussi à limiter l'exode rural au village. Les gens veulent venir en ville où il n'y a même pas un travail, mais s'ils peuvent devenir éleveurs de chenilles, et dans notre projet actuel, nous voulons élever Samia dans 50 villages. Comme ça, les gens peuvent avoir à manger et un surplus à revendre. Comme ça, ils gagnent assez d'argent. Et nous visons aussi à faire la reforestation. Vous l'avez vu, nous créons 200 hectares de nouvelles forêts parce que c'est dans ces forêts qu'il y a des plantes pour les chenilles. Et si nous avons ces forêts, c'est comme à l'époque ancienne où on était enfant, on ne cherchait pas, il y avait autant dans chaque forêt. Plusieurs variétés vivaient en forêt. Oui, on peut aller. Et maintenant, en ce moment ici, je me retourne vers mes amis qui sont à Kilweta. Ici aujourd'hui, ce matin, ils prennent leur petit déjeuner ensemble. Une trentaine de gens travaillent pour notre projet. Bientôt, ils vont aller dans les champs, dans les villages pour que notre projet avance. Et nous commençons par ici à remercier
tous ces tigres qui souffrent au soleil au village pour réaliser ce projet. On peut aller prochainement. Ah, ça, c'est l'équipe d'ingénieurs Christian. Il a 10 personnes, c'est les tout travaux qui nous aident beaucoup pour tout ce qui est projet des champs de manioc, champs de ricin. On a besoin de la main-d'œuvre, on n'a pas un tracteur, on n'en a pas besoin, on le fait à la main. Ça, c'est l'équipe qui est apiculture. Là-bas, vous voyez une table avec des miels et tout. C'est le team de Songanzila qui produit des miels. On a peut-être 350 ruches dans plus de 20 forêts et nous sommes avec cette équipe qui est très active. Oui, on peut aller. Alors ça, j'ai dit, notre projet se réalise avec la population. Dans chaque village, nous avons actuellement 20 comités chenilles dans les villages. Alors ça, c'est un échantillon des comités chenilles que je remercie parce que sans eux, nous n'avons pas un projet. C'est la population, c'est eux qui travaillent avec nous au niveau des villages. Ils sont venus recevoir des machettes, des houes, des bêches pour travailler dans les villages. Oui. Et nous avons dit notre projet chenille élevage, c'est-à-dire on va produire des tonnes des excréments de chenilles. Alors, on doit recycler ces excréments et on va produire des protéines des poissons. Ça, c'est les teams qui creusent les étangs des poissons qui seront nourris avec les excréments des chenilles. Alors, on ne jette rien, on recycle tout. Et ici, particulièrement, alors, en ce moment, vous avez vu Paul qui est un ami de nous, avec qui on travaille très longtemps ici. Paul, il a plus de 80 ans, il est en retraite en Écosse, à Édimbourg, et il lutte pour notre projet. Ici, il reconstruit les murs à Édimbourg pour gagner un peu d'argent pour soutenir notre travail à Kiluika. Prochaine photo. Ah, voilà, c'est le mur que Paul reconstruit à son âge avec son ami pour apporter un peu de l'argent pour notre projet. Et merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre présentation.